Les métiers du son au cinéma. Parmi les différents métiers liés au son au cinéma, voici un choix de 4 métiers spécifiques. Tous ces métiers travaillent sur des plateaux de cinéma ou de télévision, dans des studios ou dans des salles de spectacle, et ils allient pratique musicale et haute technologie. Le perchman est chargé de capter le son sur un plateau de tournage dans une production cinématographique ou audiovisuelle. Avec l'ingénieur du son, il enregistre ce qui se passe au cours du tournage, les dialogues, les bruits. L'ingénieur du son ou opérateur son travaille principalement pour la télévision ou la radio. Son activité évolue fortement avec le développement du numérique. Le monteur son est un professionnel qui intervient après l'enregistrement pour modifier ou ajouter des éléments sonores. Le monteur son va lister les sons qui devront être ajoutés, remplacés, améliorés. C'est en général l'équipe la plus importante. Le mixeur son réunit tous les sons apportés, musique incluse, et les mélange. En général, le monteur image choisit son monteur son et son mixeur son. Beaucoup de bruits ne sont pas enregistrés de manière authentique lors des prises de son au tournage. Le réalisateur a donc recours au bruiteur. Un bruiteur produit manuellement ou mécaniquement des bruits pour le cinéma, la production audiovisuelle ou d'animation. Un bruiteur est sollicité par une équipe de production ou un studio de post-synchronisation pour participer à la réalisation d'un projet audiovisuel. Le bruiteur est un métier assez ludique et artisanal qui nécessite la collaboration d'un ingénieur du son, un studio, pour enregistrer les sons recréés. Pour préparer son travail, le bruiteur visionne le montage d'un film et détermine l'équipement et les techniques les plus adaptées au type de bruitage qu'il doit exécuter. Son objectif est de trouver un bruitage réaliste ou insolite. Il doit s'intégrer aux autres sons, du direct ou du montage.